au mercredi midi. Vous comprendrez que moi, c'est le matin, ma première journée de café pour une grosse journée de shooting. Et je suis vraiment excitée parce que je vous amène avec moi. M'en dit du début à la fin, mais en fait, je vous amène pour la journée de shooting, mais je vais vous expliquer le processus du avant et le processus du après. Premièrement, c'est moi qui s'occupe de la partie shooting, c'est-à-dire qui trouve un peu le concept derrière les shootings, l'endroit, les mannequins. Les mannequins, en toute transparence, c'est pas vraiment qu'un sorcier, là. Je vous dirais qu'on prend toujours les mêmes pour la simple et bonne raison qu'ils sont ultra habitués de travailler ensemble. Donc, la complicité sur la photo, autant ensemble les mannequins que la confiance envers notre photographe habituel de compagnie est juste incroyable. C'est facile. Ils savent quoi faire. Je dis pas qu'un jour on ajoutera peut-être pas des mannequins ou on n'en changera pas d'autres, mais pour l'instant, c'est comme on a comme deux familles que les âges, c'est comme parfait pour les échantillons qu'on a. Parce que dans le fond, comment ça fonctionne, je vais vous expliquer au complet, là. On a la collection. Exemple, on a créé la collection. Quand je viens pour chercher un endroit avant, je vais penser à un concept. Si on recule des derniers shootings, ça va avoir été. On a eu plusieurs shootings sur un fond blanc. On était pas mal dans ce mode-là, dans le style de on veut bien voir le vêtement, pas trop de fla-fla, pif paf, pouf, blanc sur blanc, c'est ça. Donc on allait dans des studios qui avaient beaucoup de luminosité. Là, après ça, on a eu le shooting automne-hiver qui était plus. Un peu polar, tu sais, c'est la première fois qu'on sortait des polars, on avait beaucoup de tucs, cache-cou, des manteaux pour la première fois. Donc moi, qu'est-ce qui m'a inspiré ça, c'est vraiment, j'étais inspirée par tout ce qui était chalet, cosy. Tu sais, moi, le polar est comme venu me chercher au début une station de ski. Puis après ça, je me suis dit, mais tu sais, si on peut avoir, tu sais, station de ski, tu vas dans une station de ski, puis t'as pas tant d'autres options. Tandis que je me dis, si on trouve un chalet qui fait un peu ski, on peut exploiter la nature, on peut exploiter genre plus le coin cosy de l'intérieur du chalet. Fait qu'on y avait opté pour ça. Là, la dernière fois, c'était. Ben en fait, tu sais, c'est vraiment. On a comme deux grosses collections, mais on a des collections entre des collections. Là, tu sais, comme le sport, c'était pas très compliqué. Là. Mon Dieu, notre crossfit est hyper lumineux. Fait que ça a été super simple. Pour les mannequins, cette fois-là, on avait seulement du small et medium. Si on a eu quelques commentaires comme quoi que c'était plate de pas voir les vêtements sport sur du large X large 2X, c'est vraiment pas parce qu'on veut pas, c'est vraiment pas parce qu'on a du favoritisme pour les petites tailles. Parce que cette fois-là, les seuls échantillons qui étaient arrivés à temps pour le shooting, c'était du small et du medium. C'est là vraiment la simple et bonne raison. Ensuite, on a eu la collection Noël. Vous voyez, ça aussi, ça a été plusieurs recherches Pinterest. Que je sais pas quel look que je voulais. Là, j'étais comme, ah, il me semble que. En fait, c'est que moi, j'aime ça quand c'est pas trop traditionnel. Dans le sens que si vous voyez passer nos photos sur Pinterest, parce que ça l'arrive, on veut que le monde, ça les accroche et pas juste faire justement, ah, c'est devant un studio blanc. Je dis pas qu'on le fera plus parce qu'on aime quand même beaucoup ce concept-là, mais entre collections, de faire changement des fois, puis on veut comme venir chercher l'œil un petit peu pour que ça. On veut de plus en plus que ça fitte un peu avec notre collection qu'on présente. Fait qu'à Noël, j'avais fait, je checkais sur Pinterest, j'étais comme, tu sais, il me semble, de décorer à l'extérieur, ça pourrait être une bonne idée. Puis ça l'a adonné que, moi, chez nous, j'ai une porte rouge, comme vous avez dû remarquer sur les photos de Noël. Fait que ça fitait full, puis j'étais vraiment contente. Le résultat était vraiment, vraiment exactement ce que j'avais en tête. Après ça, on a shooté les ensembles loungewear que vous allez voir bientôt avec une robe de chambre. Je vous dévoile un petit secret VIP sur YouTube. Ça, je voyais ça dans une maison ultra comme cosy, plante, dans une belle cuisine, style café, dans un salon chaleureux. Fait qu'on est allé shooter chez La Belle Commode qui a une maison magnifique. Puis là, cette fois-ci, pour la grosse, c'est notre plus grosse collection. C'est beaucoup coloré. En fait, là, quand on a regardé, parce que nous, on fait toujours les collections comme un an et demi d'avance, c'est pas plus. Puis, on était comme surpris parce que, là, un an et demi, c'était très beau, beige, style. Tu sais, Zara avait pas mal ça. Puis là, on checkait les prévisions de cet été. Puis on était comme, oh my god, je peux pas croire que c'est genre flash de. Ben, flash fluo, puis coloré de même. Là, on est allé dans ce mode-là, puis ça m'a beaucoup inspiré un peu les shootings un peu candy, je sais
sais pas comment expliquer ça. Là, je vais vous montrer les inspirations. Coloré, bonbon, barbe à papa. Fait que c'est ça. Je suis partie de cette idée-là, puis je me dis, dans le fond, au début, je suis allée pour chercher un studio. Puis là, je trouvais vraiment pas ce que j'avais exactement en tête. Puis je regardais mes photos. Des fois, là, juste tout le temps regarder mes photos d'inspiration. Puis j'étais comme, dans le fond, là, moi, ce que j'aime, c'est vraiment juste qu'il y ait un fond. Puis c'est les accessoires qui vont venir comme rajouter. Alors, c'est ce que j'ai fait. On va aller shooter au gym parce que lors de la collection, mon Dieu, j'ai comme un cil dans l'œil. Lors de la collection, du shooting de la collection sport, j'avais capoté sur les photos, surtout à cause de la luminosité. Fait que j'ai demandé à Delphine, la propriétaire, si on pouvait reprendre son gym. Et juste, nous, on a comme déjà un gros trépied de se procurer deux toiles qui fitaient avec notre concept, qui fitaient avec nos vêtements et d'y aller avec des accessoires qui allaient habiller le tout. Fait que moi, ma job était, premièrement, l'endroit, c'est fait. Le concept aussi. Troisième chose, confirmer les mannequins. Et là, je reviens à ce que j'avais commencé tantôt. On prend toujours les mannequins, puis c'est ça parce que ça donne bien, parce que on a vraiment comme un bébé dans bas d'un an. On a une taille 3T, une taille 5T, une taille 6T, une taille, pas de 6T, 8T, 10T, une small. Là, cette fois-ci, Alex va shooter. Fait que c'est ça, j'ai demandé si elle voulait. T'sais, on essaie de pas trop se mettre sur le site. On dirait que moi, ça me gosse quand les propriétaires, c'est juste ça, les photos. Mais là, on s'est dit, tu sais, une fois de temps en temps, se montrer comme moi, j'ai fait avec les jeans et le tricot. Fait qu'Alex, elle va shooter aujourd'hui. Puis ça, fait que tu sais, on veut que vous voyez ça donne quoi sur plusieurs grandeurs, nos morceaux. Fait que pour les mannequins, c'était ça. Et là, je tombais dans la... Quand les mannequins sont réglés, je tombais dans le magasinage d'accessoires. Donc, je devais me procurer des fonds comme ça. Les toiles de fond, je suis allée dans des couleurs bleues, un petit rose comme ça, justement, parce que, comme je vous dis, ce qui m'a vraiment inspirée, c'est le style bonbon, barbe à papa. J'ai une barbe à papa, une machine à barbe à papa, fait que... Je vais l'amener, je trouvais ça cool parce qu'on fait beaucoup de matchy-matchy. Fait que tu sais, du concept de papa ou maman qui prépare la barbe à papa à l'enfant. Ou là, aussi, j'avais beaucoup ça sur les photos, là, des beignes, des tripes là, de piscine. Tu sais, vu que c'est la collection été, ça va être vraiment cool. Et des ballons, même affaire, là, c'est des ballons que je vais gonfler à l'hélium. Avec toutes sortes de trucs de bonbons, puis de... Tu sais, regardez ça... C'est cute! Puis je vais faire aussi plusieurs... Tu sais, regardez ça. Je vais faire plusieurs... je vais te dire. Plusieurs ballons de couleur pastel dans ces couleurs-là. Dans les couleurs de notre collection, dans le fond. Je vais passer... aller faire gonfler ça tantôt. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Donc ça, c'est les matins de shooting. La veille du shooting. Pas la veille du shooting. En début de semaine, je vous dirais, je contacte mes mannequins pour s'assurer qu'ils ont bien l'adresse, l'heure, ce qu'il faut qu'ils apportent. Parce que, tu sais, je veux pas, oui, on est une compagnie de vêtements, mais tu sais, comme là, Zouzou, elle va shooter. Puis, on s'est dit que ça allait être pratique qu'elle ait des biker shirts si, tu sais, pour montrer que la tunique ou la robe, ça fait beau avec les biker shirts, même si on n'en vend pas, mettons qu'il nous en reste de l'autre saison, ou j'aurais dû amener des souliers neutres, des gogoons neutres. Là, cette fois-ci, je leur ai fait amener du rouge à lèvres un peu funky, justement, pour que ça fit avec le concept. Fait que je confirme ça avec eux en début de semaine. Tout est beau. Donc là, la prochaine étape, c'est ça. Moi, je vais aller courailler un peu ici et là pour aller faire gonfler les affaires. Je vais aller voir Bull Barn, je peux pas trouver comme des gros suçons, c'était dans mes idées de concept. Puis je vais vous amener avec nous comment ça va se dérouler la journée, s'il y a des pépins, si tout va bien, vous amener un peu comment ça va. Et les filles ont pris de l'avance, ils ont déjà séparé les trucs par grandeur, ça va hyper bien dans un shooting. Puis moi, ce que j'ai fait la semaine passée, c'est que je leur ai envoyé déjà un horaire à suivre pour que ça facilite les changements. Là. Exemple, Max va shooter pour l'homme, là. Max avec Zoé. Là, Max avec un gars, tu sais, pour qu'après ça, Max soit libéré. Après ça, Zoé et Charlie, Zoé et les gars.
En tout cas, vraiment une question de logique pour pas faire, oh là, qui, tu sais, pour rien oublier, là, on est rendu tellement des professionnels en shooting pour que ça allait, ça roule, tu sais, pis que ça niaise pas. Fait que voilà! Hey, sur ça, on part! Salut, est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, ça va être un moyen café glacé lait d'avoine. Pas trop de glace avec deux pommes de mocha blanc et crème vanille. Ok, donc un café glacé lait d'avoine. Pas trop de glace. Léger glace. Deux pommes de mocha blanc. Deux pommes de mocha blanc. Et crème vanille. crème vanille. Parfait en plus. Et après ça, ça va être deux grands lattés normales. Deux grands lattés normales. Le premier, c'est quelle grandeur? Moyen. Parfait. Fait deux grands glacés normal. Glacé ou chaud? Chaud. Parfait. Ensuite? Puis deux grands lattés lait d'avoine pistache. Parfait. Juste un instant. Latté à la pistache? Oui, deux fois. Parfait. Deux grands. Ensuite? Ça va être tout. Fait que juste pour être sûr, il y a cinq boissons. Ouais, c'est ça que je suis en train de regarder moi avec là. Un, deux, trois, quatre. Ouais, ça devrait. Parfait. Fait que ça fait 32 et 31. Vous pouvez avancer. Merci! Gère toutes les kits. Tu fais bien ça. Perds pas de temps, nous autres, hein? Un après l'autre. Quelques jours post-shooting, mon Dieu, vous êtes comme un petit peu crash. J'attendais quelques jours parce que je savais que j'allais recevoir un petit tease de la photographe. Dans le fond, là, pour revenir sur le shooting, ça a full bien été. Je vous en ai montré quand même pas mal. Fait que je sais pas si vous allez pouvoir voir quelques petits morceaux en primeur, commencer à vous faire une petite liste de coups de cœur. Pour le reste des détails, ça va s'en venir. En fait, à partir de cette semaine, vous allez pouvoir voir des photos défiler dans nos infolettes sur Instagram, sur Facebook. C'est juste du beau. C'est très, très ensoleillé, comme vous avez vu, très coloré. On aime ça. Ça a vraiment bien été. On est allé vraiment par une fonction qui est allée rapidement. On a tout rentré en 3 heures. On a commencé, dans le fond, on est allé logiquement, là, dans le sens qu'on a beaucoup de matchy-matchy. Fait qu'on a commencé avec mon chum qui faisait l'homme. Puis là, fait que là, on a shooté tout ce qui était homme. On n'a pas grand-chose, là. On a la veste et des casquettes homme. Deux casquettes qui font gars, mettons. Puis là, tout ce qui matchait après papa fils. Fait que là, on a habillé Noam avec la même veste, la même casquette et tout. Puis après ça, papa-fille qui foutait, tu sais, les vestes, une version fille, une version gars. Après ça, Max était libéré. Fait que là, tu sais, ça roulait. Là, après ça, ben on a commencé avec Noam. Puis là, le prochain mannequin était déjà prêt pour shooter. Fait que ça l'a tellement bien roulé, là, des vrais professionnels. Puis là, Audrey, Robbie photographe, qui m'a envoyé, je vais vous montrer ça, elle m'envoie toujours 2 à 3 options de fini. Fait que je vous montre ça. Et là, c'était unanime, je dois dire, là.
sur... Attendez, je vais essayer de trouver ça. C'est-tu bien, bien loin? Ouais, sur le fini. Elle est trop fine en plus. Elle a pris le temps de me dire qu'elle est sérieuse, Zoé, en tant que mannequin. Elle donne du jus dans le sens qu'elle écoute full Zoé de même. Hein? Vraiment, là, si vous avez des hypersensibles à la maison, là, petite parenthèse de tranche de vie, ces enfants-là, c'est genre des enfants parfaits ailleurs. Fait que en shooting, quand la photographe t'a dit d'écouter, ben t'écoutes. Puis pour ce qui est des autres mannequins, mais ils sont full habitués. Puis là, vous avez vu Alex. Alex allait shooter, elle était bonne. Elle est tellement belle. Ouais, vraiment. Fait que j'étais bien contente qu'on puisse voir... un peu de elle sur le site pour la prochaine collection. Fait que dans le fond, elle m'envoyait deux finis. Je sais pas si vous allez bien voir, là, mais lui, le premier est comme plus un peu vintage vieillot, si on veut. Puis le deuxième est plus coloré. Fait que, tu sais, dans ce shooting-là, je trouve que l'option plus flashy coloré fitait mieux. Les couleurs sont comme exactement comme en vrai. On fait toujours très attention que les couleurs des filtres ne changent absolument pas la couleur. Fait que là, je sais pas si vous voulez voir la différence. Tu sais, le mauve est comme... comme ça, en vrai, là. Il est pas pâle dans la main. Checker le mood un peu. C'est malade. Je suis tellement contente. Genre, c'est exactement ce que j'avais en tête. C'était parfait. Fait que sur ce, restez full, full, full à l'affût. La prochaine vidéo va probablement être... On est quelle date, là? Le 11 mars. Non. Non, je pensais que ça allait être la présentation de la collection. Mais dans le fond, là, comment qu'on fonctionne, si vous avez manqué mon explication, là, c'est que les lancements sont toujours un jeudi 20h. Le lundi, je sors les chartes de grandeur. Le mardi, la liste de prix pour que vous puissiez vous faire comme une liste d'épicerie, mais d'achat. Le mercredi, la vidéo explicative de toute la collection en détail. Et cette année, on est allé fort, là. On vous a proposé plein de mix. Fait que, vous allez voir, si vous avez un coup de cœur pour un morceau, on vous montre comme tout ce qui fit avec. Vous allez vraiment aimer ça. Et le jeudi, le lancement à 20h. Et comme d'habitude, moi, cette semaine-là, ben, comme d'habitude, comme tout le temps, je suis full dispo et fraîche et dispo pour vous répondre en message, en courriel, whatever, sur Facebook, Instagram. Fait que sur ça, j'espère que vous avez aimé notre petit... Derrière, behind the scene de shooting photo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Sinon, on se voit mercredi prochain!